Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 11e épisode de Pokémon version Émeraude. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et donc on se retrouve après ces assez longues vacances sans vidéo, sans aucun épisode du Let's Play. Si, je crois que j'en ai sorti un pendant les deux mois, je suis pas sûr. Mais bon, maintenant on est reparti, et on se retrouve donc à... Je crois qu'on venait de se faire du casino. Ouais, on venait de se faire du casino, et donc il fallait, et on avait déjà fait Timmy, donc là, le but de l'épisode, je pense que ce sera faire l'arène. Faire l'arène, et déjà voir quel objet j'ai. C'est marqué où? Multi-exp. Toc, 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 j'ai qui peut être intéressant pour l'arène? J'ai personne. Arf. Je suis à combien de morts simplement? Je sais plus à combien je suis de morts. Je vais regarder rapidement. Je crois que je suis à 2 ou 3 morts. Ouais, 3 morts. 2 Goélis, 1 Médiéna. Ouais, ça va. Ça va pas trop loin. Tant que je perds pas Gédifeu, c'est jouable. Allez hop. Donc on y va, on va se faire la troisième arène. Donc l'arène de type électrique. Avec Voltaire, je crois. Toc, qui c'est que j'ai en deuxième? Deuxième, j'ai Balignon. Balignon est résistant au type électrique, c'est cool. Hop, on va se faire un petit duo, ce sera cool. Un petit combat en duo. Voilà. Sinon, donc j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que je vais arrêter le let's play sous ce format-là à partir de la fin de ce tome. Les let's play sous ce format-là à partir de la fin de Pokémon Emerald. À partir de maintenant, ce sera soit je vais essayer de commencer à faire des lives sur Pokémon, peut-être. Comme ça permettra peut-être. Ce sera plus interactif. Et après, on verra peut-être relancer de nouveaux let's play comme avec Black Dragon ou Dark Vortex. Je cherchais le nom, j'y arrive plus. Oui, j'y arrive plus en ce moment. Hop. Donc derrière, je vais plutôt me focaliser donc sur moi de mon côté, plutôt parlons de champions que vous avez déjà pu voir normalement les ça a été la vidéo précédente. Parce que je m'amuse beaucoup plus à tourner les parlons de champions que tourner autre chose. C'est beaucoup. Je passe plus de temps à y travailler et je trouve que c'est moi, je m'amuse plus. Après, Pokémon, moi, ça a toujours été ma passion. Donc, si on fait des petites présentations comme ça, des petits let's play en, des petits let's play interactifs, ouais, ça m'intéressera toujours. On en fera toujours. Ouais, toujours méga sans lui. Non mais par contre il focus Gallifeu, là c'est chaud. Ah là c'est vraiment chaud. Ça va être short. Oh yes, il a attaqué Balignon. Super. Ah ouais, c'est pas du tout efficace. Oh si je gère bien, je pense que je peux utiliser Balignon contre Voltaire pour vraiment faire une assurance. Une genre d'assurance vie. Assurance survie surtout. Oh non. Petite graine, maintenant faut que ça. Ouf, ça rate. Hop. Donc il n'y a plus de Medkit. Maintenant on va pouvoir se focaliser uniquement sur Voltorb. Donc Voltorb, ce qu'il va falloir que je fasse, donc je place les petites graines pour Balignon. Et derrière, il va falloir que je me focalise sur du lance-flamme. Sur du flamèche. Et du. Falvi. Oh putain, faut que je quitte ce tour. Sinon là, il va me défoncer Galifeu. Yes! C'est bon, je vais là. Là, franchement, je pense que j'ai été short. Je pense que là, c'était short. Vraiment, vraiment que je fasse gaffe.
Aussi, je vais refaire une nouvelle exhortation dans pas longtemps, si tout se passe bien. Je vais voir, peut-être que je la ferai là à la suite, peut-être que je la tournerai à la suite de cette vidéo. On verra le temps que ça m'aura mis, que cette vidéo m'aura mis, puis comme ça on va bien s'amuser. Vous découvrirez le jeu en temps voulu. Ah mais c'est un jeu qui... Putain mais pourquoi je suis dans le casino? Allô, pourquoi je suis dans le casino? Je voulais aller au centre Pokémon. Ah putain. Je veux pas continuer à me ruiner. J'ai perdu masse de fric dans le casino. C'est complètement con ce que j'ai fait dans le dernier épisode. Le Pokémon sort super fort. Ouais! Hey! Oh putain, je suis crevé. Bon, en fait, non, c'est super. C'est le matin, c'est tout. Toc. Allez, hop. Non, je vais là. Toi, je t'affrontais. Je pense que si je serais resté devant lui, j'aurais pu passer sans marcher sur le piège et donc atteindre Voltaire un peu plus rapidement. C'est pas grave. Toc. Toc, 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 toc. Lui va être facile. Hop. Flamèche, flamèche. Perte de précision, bon, c'est bon. C'est qu'un peu de précision, ça va passer facilement. Toc. Derrière. Derrière, qui c'est qui va m'envoyer? Glupti, Kyria. Glupti type poison, Kyria super efficace. Normalement, je peux le one-shot. Là, vraiment, faut que j'attaque premier. Yes, ok, c'est bon. Toc. What? Non. Ouf. Heureusement qu'il fait pas de dégâts. Mais bon, je pense que je vais faire tous les dresseurs de l'arène histoire de m'amuser un peu, histoire de monter mes Pokémon, parce que sinon là, je vais me faire défoncer. Toc. Hop, 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 hop. C'est pas par là, c'est par là. Sinon, sinon, sinon. Ah oui, j'ai déjà donc pour le troisième parlons champion, j'ai déjà champion choisi, donc j'ai un ami qui m'a demandé de faire de présenter un champion en particulier, donc je le ferai. Je m'occupe d'abord du parlement champion numéro 2 avec Nasus, et puis on verra plus tard on verra pour le troisième avec un autre champion qui est très intéressant, qui est ma main ADC. Bon, main ADC, je sais pas jouer ADC, donc c'est juste le personnage que je maîtrise le mieux en ADC. C'est tout, faut pas déconner non plus. Je suis une grosse merde en ADC, je n'aime pas faire de dégâts sans compétence. Voilà. Mais bon. Sinon, oui bon, mais je pense que comme vous l'auriez deviné, j'ai récupéré mon deuxième écran. Ça y est, j'ai enfin un deuxième écran. Enfin, j'ai enfin pu me récupérer un écran. C'est, oula putain, le focus sur Balignon. Plus de Lumivol. Ok. Ok, hop, donc plus de Lumivol. Galifeu niveau 23. Ah, c'est cool ça. Je pense que je vais faire un speed rush niveau jusqu'au niveau 25 avec Galifeu. Comme ça, je suis sûr de caler tranquillement, de caler tranquillement Voltaire. Et derrière, bah, on pourra s'amuser tranquillement à les faire monter jusqu'à Vermilava. De toute manière, Vermilava, Galifeu va pas être très intéressant vu que Vermilava est type. Et type feu, donc Balignon inutile. Galifeu va être beaucoup moins intéressant. Bon, je vais surtout l'utiliser pour son type combat. Et après, j'aurai que Goélise et peut-être Graillena qui pourrait être intéressant sur son aspect physique. Mais oh merde, c'est vrai qu'il est confus. Ok, ça.
Méga sang, ça passe. Voilà. Méga sang, voilà. Ah voilà, plus de Voltorb et maintenant le deuxième, c'est qui? C'est un Magnity. Ok, c'est bon, normalement je le one shot avec. Je vais déjà voir ce que je fais avec du type plante. J'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je baille pas mal. Tac, là, je file. Centre Pokémon. Et puis on va se filer tout de suite sur Voltaire. On va tous aller sur Voltaire. Donc là, ça nous fait déjà 12 minutes de vidéo. Ouais, donc le temps de faire Voltaire, je pense qu'il y aura 8 minutes facile. Donc l'épisode se terminera à la fin de Voltaire, je pense. Donc à partir de 20 minutes à peu près. Je pense que je vais réduire un petit peu pour le moment. Je pense que cette vidéo va être un peu plus courte que le reste. Et je préfère quand même pas prendre trop de temps parce que... C'est plus trop fun en ce moment. J'arrive plus à trouver le côté fun des Let's Play Pokémon. Il y en a tellement sur la toile. Donc voilà. Toc, on regarde. Bah, Galifeu premier. Est-ce que j'ai des potions? 30 potions. Ah oui, quand même. C'est bon. 30 potions, 10 super potions. Donc si j'ai un problème, je swap Skitty et puis je me heal. Toujours heal. Oh, putain. Tu as réussi à passer toutes les portes piégées. Ouah, ça c'est surprenant. Alors moi, Voltaire, le champion d'arène de Lavandia, je vais t'électriser. Alors en fait, tu vas surtout crever avec tes types acier. Accessoirement, en fait, c'est une arène mi-type électrique, mi-type acier, accessoirement. Hein. Donc, faut pas déconner. Putain, il commence directement avec mon... Avec le pire. Il commence directement avec le pire. Oh merde. Putain, pourquoi j'utilise Pic-Pic? Il est statique. Il est pas statique Non, c'est bon. Allez. Ouais, brûlé. Pokémon. J'envoie Balignon. Comme ça, je peux placer mes Vampigraines sur le magnétique qui suit. Toc, plus de Voltorb. Je place mes Vampigraines sur le magnétique qui suit. Galifeu niveau 24, ça c'est cool. Balignon niveau 21. Je sais plus quel niveau il évolue. Je crois qu'il évolue niveau 24, je suis pas sûr. Donc non, je garde Balignon, comme ça je peux caler mes Vampigraines. Ah oh, merde, non, c'est un Dynavolt. Oh non, dans Emerald, non, merde, c'est vrai, dans Emerald, il fait Voltorb, Dynavolt, Magnéti, il exprint. Oh merde! Là, ça va être la merde. Ouais, bon, je vais soigner mon... Mon Galifeu, hop, super potion sur Galifeu. Mais non! Putain, une super potion dans le vent! Ça me saoule! Putain, le gros fail! Gaspillage de fric, mais d'une de ses puissances! Donc hop, je me focalise déjà sur Balignon, voir ce que j'arrive à faire. Si j'arrive à tuer le Dynavolt, ce sera cool, ça me permettra de placer les Vampigraines sur le suivant. En plus, avec pas mal de méga sang, je pense que je peux faire tenir Balignon quand même assez longtemps. Quoique, si je lui fais pas de dégâts, ça va être cool. Mais attends. C'est quoi ce bordel? Attends, pas échanger. Résumé.
Ah oui, d'accord, il a juste rien niveau attaque, c'est juste un gros tank. Ah mais fallait le lire tout de suite, hein. Moi je m'en souvenais plus que c'était qu'un gros tank. Je croyais que c'était aussi un bon gros point d'attaque spé, mais non! Mais non! On m'a menti! On m'a menti! Putain! Donc là il y a Magnéti. Magnéton! Ok, j'ai les boules! Putain, cage éclair. Oh non! Et rate pas ton attaque. Faut que j'arrive à mettre les vampigraines. Si je mets les vampigraines, c'est bon. J'ai les vampigraines. Donc j'ai mis les vampigraines. Est-ce que je prends le risque d'échec de swap en sachant que Balignon est très résistant au type électrique? Je swap. Je prends le risque. Il a les vampigraines de toute manière. Et derrière, j'ai mon lance-flamme. Mon flamèche. Putain, la confusion! Ah, mais lui, c'est vrai qu'il est chiant pour ça. C'est qu'il joue sur paralysie confusion. Flamèche. Non, putain, j'ai les deux. Oh non, je suis dans la merde. Oh yes, c'est bon. Yeah. Non, il est pas mort! Allez, allez, allez! Non, putain! Le pixel! Putain, fait chier. Oh non, en plus, il utilise une super potion. Allez! Et merde! S'il se fait masse dégâts. Oh, putain, c'est la merde! Non, oui, ça me fait pas trop de dégâts. Yes, ça passe. Putain, non, me dites pas que ça va pas. Ça... Allez, ça le tue. Putain, ça le tue pas. Nouvelle flamèche. N'est plus confus. Flamèche, il crève. Voilà. Derrière, il y a son Elixprint. Oui, je swap, j'envoie. Gray est là, je tente le chien contre chien. Une petite bataille de chien, mais je pense pas que ça passe parce que Grayena est un gros, c'est un gros bourrin et le truc c'est que j'ai que du physique et Elixprint c'est du. Il a statique. Et statique c'est très gênant contre le type électrique. Ah oui, au calme. Ah ouais, non, calme, bon, désolé, Grayena, mais je te sacrifie, quoique. Non, Grayena est bien trop. J'ai mis trop de temps à le faire monter, genre, je cliquais. Oublie tout de suite. Et allez, Julie! Oh, mais non, ils sont tous les deux de même sexe. Oh, ils sont tous les deux mal. Pas de bol. Est-ce que j'ai une guérison? Bon, bah, anti-para. Anti-para qui est du feu. C'est pas grave pour Skitty. J'envoie Balignon. Si je peux me caler les vampigraines. Allez, faites que j'ai suffisamment de résistance électrique pour le tuer. Pour caler les vampigraines. Oh putain, trop stylé! Trop géant! Putain, mon gros tank! Il résiste, putain! Oh, yes! Ah là, c'est bon, ça passe. J'ai perdu Skitty, donc ça me fait une mort contre ce champion, mais derrière j'ai quand même réussi à sauver le plus lourd de mon équipe. Les plus lourds de mon équipe. Donc je soigne Galifeu. Parce que je pense pas que je vais le finir avec uniquement avec Balignon.
Ça m'étonnerait. Mais si j'y arrive, franchement, je suis trop fort. Franchement, ça veut dire que mon balignon pète la classe. Toc. On commence les méga sangs. C'est vrai qu'il prend quand même pas de dégâts, mon balignon. Il prend 13 de dégâts, mais c'est rien! Ouais, bon, derrière, c'est vrai que le Elexpring prend rien non plus. Putain, une Bessitrus, à ce niveau-là. D'accord, tranquille, il est juste mid-life et il vise déjà sa Bessitrus. Faut pas déconner non plus. Par contre. Attendez 2 secondes, je vais regarder un raccourci. Ça marche pas. C'était pas ce raccourci-là. Oh merde! C'est vrai que la paralysie me guette, moi aussi, je suis con. Je sais plus quelle touche c'est, elle. C'est pas grave. Hop, bon, on est déjà à 20 minutes, j'arrive pas à battre Voltaire. Alors, il va vraiment falloir que je le passe là. Là, faut que je kill son Elexprint le plus vite possible. Allez! Ouais, super, j'ai cadé la méga sang. Bon, je lui fais pas de dégâts. C'est très dommage. Mais heureusement que j'ai quand même les vampigraines qui font un peu plus de dégâts derrière. Volvi. Mais en fait, derrière, il me fait pas de. Techniquement, je prends rien niveau dégâts. Depuis tout à l'heure, je suis en train de quasiment tout me régène. Il m'inflige rien niveau dégâts. Bam, je me régène 9, il m'inflige 10, je me régène 9. Là, ça fait mal. Là, il m'a mis mal. Il m'a fait perdre 14. Non, pas 4, si 14. Ouais, 14. Je me régène 2, et puis là, je me régène le reste de sa vie. Oh! Putain, j'ai battu l'Elexprint avec mon Balignon. Alors là, franchement, on m'aurait dit que j'allais réussir à avoir un paratonnerre de ce niveau-là dans mon équipe. Putain, j'aurais jamais cru. Ce paratonnerre de la mort. Là, je suis vraiment content. Là, je suis vraiment content. J'ai un gros paratonnerre. Avec le badge Dynamo, un Pokémon peut utiliser Éclat 3 Corps Combat. Et ça le rend même un peu plus rapide. Qui aurait aussi prendre ça? Cette CT 34 contient onde de choc. C'est une capacité très fiable, tu ne rates jamais. Tu peux compter dessus. Oh tiens, Voltaire. Bon. Bah moi je vous dis que c'est sur ce que va se terminer cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, mais en tout cas, franchement, c'était vraiment tendu ce combat. J'ai vraiment cru que j'allais perdre mon Galifet ou même mon Balignon encore une fois. Ça allait être galère à tenir après. Bon. Eh bah, moi je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!